Sissi Aminata, ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Fidèles auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. Une émission qui s'intéresse aux préoccupations des femmes et à leur implication dans le développement socio-économique de notre pays. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est l'entrepreneuriat féminin. Chose qui constitue de nos jours une opportunité pour de nombreuses femmes d'apporter leur pierre à l'édification d'une Guinée unie et prospère. L'une des inquiétudes que les autorités du pays tentent de surmonter par les nombreuses réformes entreprises dans notre pays. Nous verrons tout au long de cette émission donc l'importance de l'entrepreneuriat pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme ainsi que les difficultés qu'elle y rencontre. Restez avec nous pour la suite de ce magazine. En Guinée, les femmes sont parties prenantes dans tous les secteurs de production, tant en milieu rural que dans les centres urbains. Certaines d'entre elles ont même réussi à monter leurs propres entreprises et à se faire une place de choix dans l'entrepreneuriat. Parmi elles, on peut citer entre autres Madame Touré Juliette, directrice de la nouvelle imprimerie de Kaloum, Hagayuma Traoré, opératrice économique, ou encore Madame Gianlo Mariamsi, directrice générale de Mondial Tour. D'autres femmes souhaitent emboîter le pas à ces braves dames, mais elles sollicitent que l'État apporte un appui réel à l'entrepreneuriat féminin. Suivez leur cri de cœur. Ambra mentorola, ni kame kia musole, ni kame muso fanankele. Donc ambra ala matara anyana président matara la akala yidi minta la gine muso le aya madema toujours aya la yidi la kamali tenteni ndo la gine muso betolo malo ninde parce que vraiment torela doli ndoro wol di la kola doli atse la la parce que iba men segero ite la la kola men nyami fola la gine muso le tant que moma toro ite ke fendi donc alkana jite ala la min poni ka foka nyu la nyente sidi be wula nyente sidi wodi men fana ina la kana foka nyen yirma de ma te na la ko ka damma dile wara sule no di malite iya ta iya la bara iya na di idi nyo fana ya ta iya la bara aya ta to no sorado parce que ni el ka manan kundi me wara mo te julia ke ni te to no sorona i ba to no soro ido la faran idi julu do sara odo idi pankelen ki ma kodi ni ka bara onya idi se julu sara la ka manan kunte bolo ni manan kun kera muso bolo la gina ntalo la gina muso courage ya na dusu ya na ni ni dusu ya na fe o sabule tanya donc ala ya sabu ni ma o ala ma di damma limi fo la gina musul fana e be courage ta de mani mo baki ma de mana mo baki ko ma ko le fana iko no ma ko na ngam fala ma gine be e ratin e rano e yetera c'est que ifanga ke li rati rafi na ya ti yete e rafindi autonome la a fala mana kine foto e rafindi autonome la e rano e ra bezo e ra bade e ri ra ramé mali anu e ra de banque parce que gilere fo ay na me fo ay gine na won tan gine na Il n'y fait dix barres folles non tout charge binet à nama. On a fait la mangasse mais on a fait la manébé regini mali parce que et on a fait la rey fait la souvent projet avec des barres fadi mais on a nous fait mangagini ne reste à rouniande mais avec bené tombé bafin regini mali yandi parce que gini toro la gini toro Europe en fop hande pigi din gene sa poko rebe woni gollude ta ayi do debbo hande no jomma harago ko woni won makko fusu wadata woni yo ko jiwo so heba e biddo ko jiwo ko woni yo si gorko nyama ko ko jiwo si bibbe be nawni ko jiwo si bibbe yaay ko ekol ko woni yo ko jiwo vraiment billa fala wa inugo gouvernement yo walete rebe tigi tigi be watta jollinira juure golle walle rebe yandi mimi jeji dun no yibbe be boye immo golle Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Les femmes et les jeunes seraient au cœur des priorités des autorités de la Troisième République. Mais malgré les bonnes intentions annoncées, certaines promesses tardent encore à se concrétiser. C'est pourquoi les femmes entrepreneurs déplorent aujourd'hui le manque de soutien des autorités à l'entrepreneuriat féminin. C'est le cas de Mme Ramatou Ndiaye Sow que nous avons rencontrée. Suivez.
l'entrepreneuriat féminin devait être beaucoup plus développé aujourd'hui en Guinée qu'ailleurs. Mais le manque de soutien fait que nous nous débrouillons à partir de nos cotisations. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. On ne peut pas parler de développement d'un pays sans les femmes. Et comment l'État peut vous aider justement? L'État doit nous assister comme ailleurs. Notre exemple, nous, parce que nous avons été créés il y a longtemps. Nous avons tellement de difficultés avec le pouvoir, avec l'administration, que nous ne savons pas si réellement ils veulent le développement de ce pays-là. Les femmes créent de l'emploi. Elles se battent. Elles sont courageuses. Elles sont persévérantes. Nous avons appris qu'il y a un montant qui est alloué aux femmes. Mais où est l'argent? Qui en bénéficie? En tout cas, pas les femmes entrepreneurs. Nous voulons savoir comment est-ce qu'il faut avoir accès à ces fonds pour pouvoir continuer nos travaux. Il y a des travaux qui sont entamés. Nous avons eu des universitaires qui ont fait chimie et autres, que nous avons envoyés chez les teinturières. Non seulement elles ont appris à faire la teinture, mais elles ont apporté un plus à la teinturière dans la préparation des solutions. Tout ça s'est bloqué. Quand tu vois même les centres de promotion féminine, où on recevait toutes les filles qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, qui ont suivi une formation. C'était organisé. Elles venaient, elles apprenaient pendant 2 ans, elles retournaient dans les préfectures, elles faisaient de la restitution. Ça diminue la pauvreté, ça diminue la misère, ça diminue la délinquance, ça diminue l'exode rural. L'appui aux femmes est indispensable si nous voulons parler de développement et de paix. Vous êtes en association, que faites-vous pour encourager vos sœurs qui sont à la maison à aussi créer leur propre initiative? Mais l'Association des femmes entrepreneurs de Guinée est une organisation à caractère social et économique. C'est ouvert, c'est pour les femmes entrepreneurs, c'est pour les femmes futures entrepreneurs, pour toute femme qui veut entreprendre quelque chose pour soi-même. Si tu n'as rien, tu ne peux pas apprendre, tu ne connais rien, mais on te mettra quelque part où tu vas apprendre un métier. C'est ça l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous avez un message à lancer aux femmes guinéennes par rapport à la consolidation de la paix dans le pays? Mais les femmes ne demandent que ça, la consolidation de la paix. Mais faut-il que les hommes acceptent qu'on ait la paix? Nous avons œuvré sérieusement pendant combien d'années? De 2007 à aujourd'hui. Vous avez vu les femmes sur le terrain. Mais une fois que les négociations sont terminées, on oublie complètement le problème du genre. Je vous dis, la Guinée ne peut pas se développer sans les 52%, 53% de la population. On ne peut pas négliger cette couche-là. Elle est importante. Dans tous les secteurs, ce n'est pas le domaine de la paix seulement. Dans tous les secteurs, les femmes doivent être impliquées. On doit tenir compte de leur présence, de leur expérience, de leur formation. Nous avons été avec des hommes, mais qui n'étaient pas aussi plus compétents que nous. Où sommes-nous, nous autres? Pour encourager les femmes, il faut l'égalité. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique Vedette du jour. Pour ce numéro, nous avons rencontré pour vous Madame Mané Bintou Gorovogui. Elle est la directrice générale de la MUFA de Coléa, la mutuelle financière des femmes africaines, et coordinatrice de l'Association des femmes entrepreneurs de Guinée. Nous allons ensemble découvrir la personnalité de cette dame. Madame Manet, quelle est votre perception de l'entrepreneuriat féminin en Guinée? L'entrepreneuriat est la voie royale de la sortie de crise, de la sortie de pauvreté, de l'émancipation, de l'autonomisation de la femme. L'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat tout court est la solution à nos problèmes. Donc toutes les femmes n'ont qu'à avoir l'idée, surtout les jeunes, et les femmes et les jeunes. Que de penser se faire embaucher? Toi-même, embauche-toi, emploie-toi, auto-emploie-toi et emploie d'autres. Il faut qu'on crée des entreprises, il faut qu'on crée les petites associations lucrative. Il faut qu'on se mette à l'œuvre. L'entrepreneuriat féminin, ça n'a jamais trompé. Tu te mets à l'œuvre, tu auras le résultat au bout du compte. La paresse n'a jamais rien payé. Et puis, pour se valoriser dans la communauté, la femme, pour te faire respecter, même de ton mari, de tes propres enfants, il faut que tu aies quelque chose que tu poses sur la table chaque fois qu'il y a nécessité. À présent, nous allons changer de sujet pour parler un peu de vous.
De façon brève, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours professionnel? Bon, il faut reconnaître que moi, je suis aide-santé de profession. J'ai étudié, je suis allée jusqu'à la fac par le mariage et les maternités, je n'ai pas pu continuer, mais ça n'a pas fait que j'ai baissé les bras. Donc, j'ai exercé pendant près de 30 ans. J'ai fait un constat, j'ai vu qu'il y avait vraiment les femmes qui voulaient travailler, mais n'ont pas de répondants. Il y avait des femmes qui venaient me voir, aide-nous à faire ceci ou ça. Et comme je ne pouvais pas répondre à tous ces appels-là, je ne pouvais pas répondre à tous ces besoins, moi j'ai décidé de me lancer dans la vie communautaire, dans le développement social. Et c'est comme ça que j'ai commencé à constituer des femmes en groupe. Et nous avons continué comme ça, tout en les enseignant l'esprit d'entreprise, jusqu'à ce que nous avons mis en place le réseau des femmes chefs d'entreprise. De cette association, nous sommes partis maintenant vers la CONAFEC, qui aujourd'hui est, disons, l'organisation fêtière qui a été à la base de la création de ces MIFA-là. Bon, en dehors de ça, je suis la coordinatrice préfectorale de l'ONG Association de Dubreka. Vous avez abandonné les études à cause du mariage, mais aujourd'hui, comment vous parvenez à concilier vos activités professionnelles à votre vie de famille? Je peux dire que c'est la plus grande chance que j'ai eue, vraiment. On peut dire tout des hommes. C'est pas que tout est rose entre moi et mon mari, mais sur le plan du travail et de mon engagement auprès des autres femmes, je le remercie. Il m'a toujours laissé le temps libre. Et quelquefois même, quand j'étais en train de travailler sur certains documents, par exemple, quand on créait la FIFA, une fois j'ai vu mon mari venir m'attendre jusqu'à 3h du matin, on travaillait. Il a pris son temps, il m'a attendu jusqu'à ce que nous avons arrêté les travaux et on est rentré. Les fois suivantes, il m'a dit, chaque fois que tu retardes et que tu ne peux pas rentrer pour des raisons de travail, cherche quelque part où dormir, ne t'excuse pas pour dire forcément, il faut que je rentre à la maison. Je pense que cette confiance-là, je la remercie. Quel est votre plus grand souvenir dans le cadre professionnel? Dans le cadre professionnel, comme sur le plan médical, je suis vraiment très contente quand les enfants que j'ai aidés à mettre au monde me rencontrent quelque part. Quelquefois, je ne les reconnais même pas. Mais quand ils me font des gestes là pour me dire « Ah, tanti, tu ne me reconnais plus, c'est moi qui étais là, je suis le fils de tel, ah, je suis très très contente. » Mais mon plus grand souvenir, c'est le jour que j'ai eu vu enfin cette MIFA s'ouvrir. Parce que quand on se mettait dans le projet, beaucoup ne nous croyaient pas. Ah, c'est feu de paille, le problème de femmes là. Mais quand on a fait le lancement en présence de concepteur même, ça, ça reste gravé dans ma tête parce que c'est l'un des grands projets de ma vie que j'ai réalisé comme ça. Je sais, pendant les 2 années qu'on faisait, je sais quelles sont les difficultés que nous avons eu à rencontrer. Mais Dieu merci, on a pu les surmonter toutes. Et aujourd'hui, la MIFA est en train de gagner le terrain. De Conakry jusqu'à Yaoundé, la MIFA existe. Vraiment, c'est une très grande joie, un soulagement pour moi, vraiment. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez? Moi, j'aime beaucoup, j'aime être avec les gens, j'aime la bonne humeur, j'aime aller jusqu'au bout de mes idées, de mes activités. Quand je commence, je voudrais vraiment terminer et que les résultats soient là, profitables à tout le monde. Ce que je n'aime pas, c'est la lâcheté, les coups bas, l'hypocrisie, ça, je n'aime pas ça. Quand ça ne va pas, je veux qu'on joue carte sur table, on dépose tout sur la table, on étale, on discute. Quand c'est fini, on recommence avec un autre pied. Chers auditrices et auditeurs, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata. Une émission qui était axée sur l'entrepreneuriat féminin en Guinée. Une manière pour nous d'encourager les femmes à se battre pour obtenir leur émancipation et leur indépendance sur le plan économique. Cela les permettra de contribuer efficacement au développement socio-économique de la Guinée, comme s'en soucient les autorités du pays par les réformes engagées dans notre pays. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Économique et sociale. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Church for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.